Bonsoir Sarah Virginie. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de la beauté du ciel, ce surnom que vous donnez à votre fille Anna. La beauté, il en est question dans cette archive de 1978 et cette préoccupation constante de votre mère. C'est pas la beauté, c'est le temps qui passe trop vite et qui l'empêche d'être avec vous et d'être dans la vraie vie. C'est magnifique. Oui, heureusement que je la connaissais cette interview parce que je l'aurais découvert avec vous, ça aurait été plus. Oui. Être dans la vraie vie, c'est ce qui vous préoccupe aussi. Et c'est ce que j'ai trouvé absolument merveilleux dans le récit que vous faites. Quand on vous arrête dans la rue et qu'on vous parle de votre mère, vous avez envie de dire, mais parlez-moi de moi, de ma vie, de vie que... Non, pas de moi, la comédienne. Non, ce, que, ce dont j'ai envie de parler, c'est de ma vie, de la vie de tous les jours. Oui, enfin, je suis d'accord. Je résume un peu. Je suis d'accord, mais c'est pas exact. C'est-à-dire que on me parle de l'actrice et moi, quand j'entends son nom d'actrice, j'ai toujours un petit... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ma mère. Et pas l'actrice dont on vient vous parler. Voilà, et un peu moins l'actrice. Et puis, d'une manière générale, les enfants se moquent un peu parfois du métier de leurs parents. Ils veulent leurs parents pour soi, et voilà, aussi simplement. Mais voilà. Ce livre, il est touchant parce que vous y posez des questions très profondes. Comment faire le deuil d'une mère que le monde entier idolâtre? Comment devenir à son tour mère? Comment vivre lorsqu'on est habité par la mort? Personne ne veut oublier ma mère à part moi. Tout le monde veut y penser sauf moi. Personne ne pleurera autant que moi si je me mets à y penser. Parce que chaque fois que vous entendez son nom, vous entendez aussi... Son absence. Son absence. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter comment une famille aussi se débrouille avec ses morts. Et comment on vit avec ses morts. Et comment on en parle à l'intérieur d'une famille. Alors, j'ai pris la mienne parce que je la trouve très intéressante. Et c'est vrai qu'en même temps, quand je suis devenue mère, mais c'est valable aussi pour les pères, quand on devient parent, on se pose la question de... quel genre de parent on veut être, et donc on se demande, mais alors quel enfant j'ai été, et quel parent moi j'ai eu, et comment je vais transmettre tout ce que je sais aujourd'hui, et de quelle façon, et comment je vais assurer à mon enfant une stabilité, comment je vais lui apprendre à être solide et en même temps sensible, et voilà, c'est des questions universelles. Sans fin, et universelles je crois. Et donc je voulais parler de ça, et puis après je me suis rendu compte... ça, c'était le point de départ du livre. Et je me suis rendu compte, en découvrant l'amour maternel, que j'avais, moi, un amour très angoissé, très préoccupé, parce que j'avais l'impression qu'elle allait mourir, comme mon frère est mort, que moi, j'allais disparaître. Parce que je sais que les mères peuvent mourir et que les enfants, malheureusement, peuvent mourir avant leurs parents. Et ça arrive dans plein de familles. Donc, j'étais... déterminée quand même et conditionnée par ça, et je voulais peut-être dédramatiser, et peut-être, je pense qu'aussi au fond, je voulais réclamer d'avance l'indulgence de ma fille en lui disant, écoute, si je t'embrasse trop, si je t'étreins trop, si je te regarde trop, pardonne-moi, j'ai des raisons. Alors ce livre, on a l'impression que c'est aussi une manière de vous réapproprier un petit peu votre mère, dont vous vous êtes peut-être sentie dépossédée, ou en tout cas de tracer un portrait plus nuancé d'elle, moins caricatural. Oui, c'est sûr que un être humain, il est complexe, il traverse plein de choses dans une vie, il vit plein de choses, et donc j'ai toujours trouvé que... il y avait des raccourcis et des caricatures, comme vous dites, et des portraits réducteurs. C'était toute joie et, pas que, pas et soleil plus, dans la vie. Elle n'était plus. Pas que larmes. Oui, voilà. On ne peut pas être soit l'un, soit l'autre. Dépendante, elle était aussi vivante et, oui. Et joyeuse. Et en tout cas, le portrait que vous en faites. Vous avez déclaré dans le journal Elle, j'ai un rapport très sain avec ma mère. Parfois, je lui dis, tu m'emmerdes. Tu m'agaces, je la démystifie, j'ai tellement entendu des mystifications à deux balles. C'est vrai que c'est une manière, comme vous dites... Ça, j'ai dit dans le L, j'ai pas dit dans le livre. Oui. Mais c'est vrai que c'est une manière de l'humaniser aussi. Ben oui, et puis... De vivre avec elle, comme vous disiez, comment vit-on avec elle? Ça suffit, c'est déjà très bien, et c'est déjà suffisant, et puis oui...
C'est toujours compliqué quand on entend parler des gens qui vont projeter quelque chose. Enfin, oui, puis c'est en même temps, qu'est-ce que je peux faire? Elle était actrice bien avant que je naisse. Elle avait une vie bien accomplie avant que je naisse. Alors, je partage avec le reste du monde. Et toute cette mystification, elle-même l'a rejetée. Être la première star française. Oh, arrêtez ces conneries là. Je suis pas une star ni une star française. Je suis pas star du tout. J'aime pas ce mot. Excusez-moi que j'ai dit une vulgarité. Hein. Mais vous êtes une star quand même. Non, rien. Enfin, j'aime pas le mot. J'aime pas le terme. Comment vous vous qualifiez vous-même? Je suis une comédienne qui fait de son mieux, c'est tout, qui donne le plus possible. Un petit peu de gel hydroalcoolique. Alors, pendant que vous vous lavez les mains, votre fille s'appelle Anna. Vous écrivez un prénom éloigné de tes parents, du reste de ta famille, que tu pourras donc t'approprier et faire tien. Précisons que quand même, parmi ses seconds prénoms, elle a celui de Rosaine. Oui, mais je ne l'ai pas écrit. Je l'ai écrit différemment. Mais, oui. Bon. Mais vous êtes émue parce que vous les connaissez, ces images. Oui, bien sûr, je les connais, évidemment. Et puis surtout, j'aime sa façon de parler. J'aime sa façon de parler, je la trouve géniale. Elle a tout à fait raison. Enfin, je trouve ça très bien de parler comme ça, de pas se la jouer. Je trouve ça très bien. Elle est géniale et hyper moderne, en vrai. Enfin, c'est oui, ce qui me frappe, là. Plus, c'est pas au siècle dernier. À 1978, si. C'est au siècle dernier. C'est vrai.